Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais beaucoup envie de faire. C'est mes indispensables pour l'hiver selon moi. Donc je vais vous présenter toutes les choses que j'utilise impérativement durant l'hiver en fait. Je vais tout de suite commencer avec un plaisir de l'hiver qui est plus ou moins un cliché sur youtubeuse. C'est les bougies, donc oui c'est un cliché mais moi j'aime vraiment ça et j'en allume vraiment tout le temps. Rien qu'à aller dans ma chambre il doit en avoir au moins 15. J'aime beaucoup en allumer l'hiver, ça fait vraiment un côté cocooning et chaleureux. Donc je vais vous en présenter une que j'aime beaucoup pour cet hiver, ça rappelle un peu le printemps, l'été. Donc en fait c'est une bougie aux fruits rouges Majoli Candle, elle est vraiment superbe. Et en fait les nouveaux packaging, en fait les bougies avant elles étaient beaucoup plus petites et les packaging étaient moins élaborés, qui sont vraiment beau. Ça c'est mon chat qui rentre. Voilà, sale bête. En fait l'ouverture elle est en hexagone, un peu en fleur je dirais. Et on l'ouvre comme ça. Donc voilà le packaging des bougies, il est hyper neutre et je trouve que ça passe bien dans une chambre parce que tout simplement ça peut suivre avec n'importe quel type de déco. Ensuite je vais vous présenter mon baume à lèvres que j'utilise tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas un partenariat, c'est moi qui l'ai acheté. Et je l'aime beaucoup, voilà, donc c'est le Coco Riche de Hello Body et il est vraiment super, il hydrate vraiment bien les lèvres. Et c'est le seul baume à lèvres je trouve pour moi qui fonctionne vraiment bien parce que j'ai tout le temps les lèvres desséchées, c'est vraiment un calvaire. Il faut savoir que durant l'hiver j'aime beaucoup les masques, j'en fais un quasiment une fois par semaine ou voire deux fois. Du coup je vous en présenterai trois, dont un que j'avais déjà et en fait on me les a envoyés et je les avais déjà testés de par moi-même. Donc voilà, ce sont les masques L'Oréal Pure Argile, il me semble que c'est ça. Donc il y en a un, il exfolie, unifie et illumine. Un qui exfolie, affine les pores et c'est celui que j'avais déjà utilisé et que j'aimais beaucoup. Réduit les points noirs et lisse les pores, ils font vraiment leur boulot et pour le prix que ça vaut, franchement je pense que ça vaut 8€ et vous faites pas mal d'utilisation avec. Et moi je les aimais beaucoup parce qu'on peut aussi les trouver en grande surface comparé à d'autres masques qu'il faut aller chercher sur internet, etc. J'ai reçu il y a environ une semaine une petite box nouveauté de chez Yves Rocher. Alors je savais pas du tout qu'ils faisaient des box chez Yves Rocher et elles sont assez sympas, enfin la première est assez sympa. Elle se présente comme ceci et en fait elle respecte la nature et du coup le fait qu'on fasse une box avec des produits naturels et qui n'abîment pas la nature, c'est assez sympa. Donc quand vous ouvrez la petite box, petite graine à l'intérieur que vous mettez dans votre jardin et en fait ça fait une petite fleur, petit pot comme ceci en bois. Il est assez beau, il est neutre. Donc un petit blush pour les joues assez rosé, je sais pas si vous allez bien le voir. Le petit pinceau en bois pour mettre le blush en fait tout simplement. Un petit jumbo comme ceci pour les yeux, c'est le noisetier nacré, pardon. Ensuite j'ai reçu un petit mascara pour les sourcils, c'est assez sympa parce que quand on a la flemme de faire ses sourcils au crayon ça va hyper vite. Et un rouge à lèvres, je crois que c'est la couleur élixir celui-ci. On va parler de ça. En fait je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Vous l'ouvrez, c'est comme ceci, donc il y a trois bouteilles, deux barres. Donc en fait c'est des bouteilles qui sont égales à un repas. Sauf que là c'est pas protéiné, c'est pas pour maigrir. En fait c'est juste quand vous avez la flemme de faire à manger comme moi de temps en temps, j'ai un peu la flemme de faire à manger. Du coup en fait ça c'est un repas complet, sans lactose, sans gluten et pour les personnes qui sont véganes c'est également vegan. Ça, là par exemple c'est saveur tomate à la provençale et moi je trouve que ce concept est assez cool et ça peut changer de ce qu'on mange de d'habitude parce que c'est vrai qu'on mange pas souvent équilibré. Et avec ça il y avait aussi saveur cèpe et saveur légumes du jardin. Il y a deux barres sucrées, faudrait plutôt que j'ai ça, qui sont égales à un repas. Alors tout simplement quand le midi vous pouvez pas vous faire à manger, que vous avez un peu la flemme ou que vous avez tout simplement pas le temps, ça fait l'affaire parce qu'en fait c'est égal à un repas complet. Ensuite aussi quelque chose, parce qu'en fait l'hiver j'aime beaucoup lire, même avant de m'endormir etc, j'aime vraiment beaucoup lire. Et tous les mois je reçois le Pretties. C'est un magazine en fait avec plein de youtubeurs etc. C'est vraiment plus centré sur le monde de YouTube plutôt que sur les personnalités, des wishlists, il y a plein de trucs comme quelque chose qui n'a rien à voir avec. Je vous ai présenté jusqu'à présent. Moi quand je rentre chez moi, enfin quand je suis dans mon canapé, j'ai tout le temps un plaid sur moi. Un truc assez sympa que j'avais vu aussi chez Nature et Découverte, mais sur Nature et Découverte il coûte vraiment la blinde, genre 50€ du sujet. En fait c'est un plaid avec des manches. Genre c'est vraiment hyper sympa. Voilà. Et donc en fait vous êtes dans votre canapé. Mais voilà en fait tout le long c'est un plaid. Mais juste, je sais pas si vous aussi, genre quand vous vous mettez en dessous du plaid, et ben vous devez sortir vos bras du plaid pour prendre votre téléphone etc. Alors que là
bah il n'y a plus, enfin vous n'êtes plus obligé de le faire. Il m'a coûté je crois 9 euros, du coup c'est vraiment une bonne affaire. Je l'ai acheté chez Leclerc, donc si ça vous intéresse, allez checker Leclerc, ils sont en promo. Pour terminer, on va passer aux sneakers. Donc j'ai deux paires à vous montrer. Je suis désolée, hein, vraiment, si la luminosité vous plaît pas, j'espère vraiment que ça va aller parce que j'ai mes deux éclairages, mais ça va pas du tout. J'ai une paire que je mets assez souvent et en fait, c'est une paire où vous êtes bien tout l'hiver, clairement. C'est un investissement à prendre, mais franchement, j'ai pas eu froid l'année dernière, je les ai portées plein de fois. Ce sont des Hugues, c'est du cuir au-dessus. Et à l'intérieur, c'est de la laine de mouton. Vous avez l'impression d'être dans des pantoufles toute la journée. Et la dernière paire, c'est ma chouchou de tous les temps que je vous ai montrée. Voilà, voilà. C'est une paire que je voulais depuis un bail, mais vraiment un bail. Mais genre 4 ans au moins. Bon, j'abuse parce que je sais même pas si elle était sortie il y a 4 ans, mais genre ça fait vraiment longtemps que je les voulais. Et le problème, c'est leur prix. En fait, c'est des Balenciaga noirs avec en fait style chaussette. Donc en fait, il y a juste une semelle blanche comme ça. Et ça fait une chaussette jusque en haut de la cheville. Vraiment hyper, hyper sympa. Elles sont hyper, hyper confortables. Mais le problème, c'est leur prix, comme je venais de vous le dire. Elle coûte 600 euros, donc vous imaginez bien que j'allais pas mettre 600 euros dans une paire de baskets, mais on m'a proposé de les recevoir, donc évidemment je pense qu'entre vous et moi, si demain on vous propose de recevoir des Balenciaga, vous n'allez pas dire non. C'est évidemment ce que j'ai fait, ça aurait été vraiment bête de dire non en sachant que je les voyais depuis un certain temps et que j'aurais jamais eu les moyens de me la payer. Du coup voilà, je les ai acceptées et vraiment je les adore. Je pensais vraiment que ça allait faire genre un peu pas chaussons mais un peu chelou quoi, parce qu'on en voit pas partout des chaussures chaussettes entre guillemets. Alors, elles sont trop belles, elles sont un peu en matière du jour en tête de près. Ah, je sais pas si vous voyez, genre là ça fait vraiment le haut d'une chaussette. Donc je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.